Clochard, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation dans un décor un peu inédit puisque c'est la première édition du Paris Villaroche Air Légende et nous avons vraiment le plaisir de vous recevoir et nous sommes honorés devant un avion que vous connaissez bien et que vous avez bien connu. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation de cérémonie exceptionnelle. Au printemps 1940, c'est le début de l'offensive allemande et de la bataille de France, et vous avez tout juste 17 ans. Où viviez-vous? Quel était votre contexte familial? Comment l'adolescent que vous étiez a vécu et ressenti cette invasion? C'est difficile de répondre exactement à cette question parce que je vais la simplifier. J'ai été atterré, mais vraiment atterré, quand le 17, à midi et demi, le Pétain a demandé à l'arrêt des combats et de s'adresser à monsieur le chancelier Hitler, ce salopard qui avait déjà fait depuis des années des camps de concentration. Il n'y avait pas encore les camps d'extermination, mais il y avait les camps de concentration qui étaient déjà épouvantables. Et donc, alors pour revenir à votre question, le lycée était suspendu, j'étais en première de ce lycée, et le lycée était suspendu pour se représenter au baccalauréat en septembre, si tout allait bien. Donc j'étais seul dans la maison de famille, parce que mes parents étaient partis, mon frère mobilisé, mon beau-frère mobilisé. Et ce message de Pétain m'a anéanti parce que tout s'écroulait pour moi. C'est-à-dire que mes professeurs, mon père, l'administration, l'armée, qui m'avait toujours dit depuis mon enfance que l'armée française était sensationnelle et la première du monde, s'était écroulée en se battant bien, puisqu'il y a eu 100 000 morts en 4 semaines, mais mal commandé, mal équipé, mal utilisé. Alors, si bien que j'étais désespéré et je ne savais pas comment faire. J'ai attendu 2 jours en écoutant la radio pour me décider. Et ce qui m'a fait décider, c'est le 20 au soir, ou le 21 au soir, je ne me souviens plus très bien, Churchill en français à 18h, à 20h, a dit, nous, amis français, nous continuons la guerre, et si nous sommes envahis, nous partons au Canada. Je suis tout de suite parti voir ma sœur qui était pas loin, je lui ai demandé 100 francs, qu'elle me prête 100 francs, parce que je lui ai dit, je pars en bicyclette demain matin à La Rochelle, 120 km, s'il fallait la journée, et je vais dans l'armée anglaise. Alors je suis parti donc à La Rochelle, et là j'ai demandé à tous les bateaux de pêche, les Allemands étaient déjà là, à tous les bateaux de pêche, et il y en a un premier qui me dit, je ne sais pas, venez me revoir. Et il y en a un autre qui m'a dit, je pars en Angleterre à minuit. Et donc j'ai essayé de vendre mon vélo. Je n'ai pas pu, j'étais en culotte courte. Et dans les cafés qui fêtaient la victoire. C'était la fin de la guerre pour tout le monde, tous les Français. Je suis revenu au bateau et j'ai demandé, je le jette à la mer ou je vous l'embarque. Et je l'ai embarqué, je l'ai attaché. Et en arrivant en Angleterre, la police m'a pris ce vélo.
Et ils m'ont amené dans une première prison, mais quand même un peu libre, pas un camp de concentration, où ils m'ont interrogé pendant 2 jours et puis ils m'ont relâché. À ce moment-là, je leur ai demandé où était une agence de l'armée anglaise pour m'engager. Et de me situer où je ne savais pas où j'étais. J'étais au nord de Londres et ils m'ont indiqué la chance. Et puis, en marchant en direction de Londres, j'ai rencontré deux Bretons brestois qui sortaient de prison derrière moi. Et ils m'ont donné l'adresse du garage où De Gaulle recueilli ses volontaires. Jeune, vous manifestiez déjà un intérêt pour l'aviation. Comment celui-ci est-il né? Et avez-vous essayé de rejoindre cette arme en Grande-Bretagne? J'ai toujours voulu, et je crois que c'est un conseil que je donne à des jeunes, depuis que je suis devenu senior et retraité, c'est d'essayer de savoir ce qu'on veut à 15 ans, 16 ans, ne serait-ce que pour s'orienter dans des stages. Alors donc, je savais que je voulais aller dans l'aviation et les socialistes en 1938 ont créé dans les collèges l'aviation populaire. Je me suis inscrit dedans et c'était de travailler avec des modèles réduits, mais c'était le début. Et si j'avais pu passer mon bac et si j'avais continué, j'aurais été soit dans l'armée française d'aviation, soit aviation civile. Quelle formation militaire avez-vous reçue en Angleterre? Alors, je me suis engagé dans la France Libre, j'avais demandé à être dans l'aviation. Et le général de Gaulle, qui était à côté de nous quand on a fait la demande, dans ce fameux garage, nous a dit, j'ai pas un sou, si vous savez très bien l'anglais, je peux peut-être vous recommandez la Royal Air Force. Alors, sinon, engagez-vous dans l'infanterie. Alors, je me suis engagé dans l'infanterie et pendant 6 mois, j'ai été formé pour lutter contre les parachutistes allemands qui auraient dû, en août-septembre 1940, débarquer en Angleterre si l'aviation anglaise avait perdu le combat. Ensuite, je suis parti quand l'Angleterre a été libérée de cette menace. De Gaulle nous a envoyés en Afrique équatoriale. Début 1941, vous partez, vous passez par l'Afrique équatoriale, le voyage est long. Vous arrivez donc en Syrie au mois de mai. À quelle campagne avez-vous participé ? En arrivant, en réalité, vous dites mai, mais je suis arrivé en Syrie en juin et la campagne contre Vichy venait de se terminer. Donc j'étais envoyé comme renfort à cette campagne, mais je n'ai pas participé. Alors donc, quand je suis arrivé à Damas, j'ai été muté dans les automitrailleuses. Alors, après les automitrailleuses, je suis parti en Libye en début 1942 pour un an et demi. Et ensuite, j'ai fait la campagne de Tunisie avec Leclerc en 1943, qui a été gagnée par nous contre les Allemands le 9 mai 1943. Aviez-vous des nouvelles de votre famille durant votre exil ? Non,
C'est parce que c'était impossible. Mais pendant les 5 ans, j'ai correspondu tous les 6 mois avec un message de la Croix-Rouge de Suisse qui me permettait d'envoyer 25 mots à mes parents à Poitiers et qui, 6 mois après, j'avais leur réponse. Comment avez-vous eu l'opportunité de devenir pilote et quelle a été votre formation? J'ai eu de la chance. C'était à Alger en fin 43 que j'ai vu une note de service qui indiquait que l'armée avait besoin de pilotes de futurs Piper Cub dans l'armée. Et donc j'ai mis un certain temps à savoir comment je pouvais faire ma demande. Et puis c'est en début 44 que j'ai réussi à faire ma demande et elle a été acceptée exceptionnellement parce qu'ils prenaient dans ces nouveaux pilotes une majorité de pieds noirs qui avaient leur brevet de pilote et même quelquefois leur avion personnel de tourisme. Et mais j'ai été accepté et puis je suis parti préparer. Quand j'étais breveté, j'ai demandé à la 2e DB, qui était mon ancien régiment, ma ancienne division, s'ils pouvaient me prendre les Piper Cub. Ils étaient pleins. Et par contre, ils m'ont pris en surnombre à la 1ère division française libre. Et donc j'ai fait le débarquement de Provence. Alors, dans ce camp à côté de Oran, français piloté par des Américains, j'ai eu la chance d'être accepté et ça s'est passé très rapidement, dans le sens que j'ai pas beaucoup de souvenirs de nombre d'heures de lâcher, avant mon lâcher, mais le Piper Cub est tellement un engin exceptionnel qui pardonne à n'importe quel imbécile de le conduire, que ça s'est bien passé. Quels étaient vos liens et quelles ont été vos relations avec les autres pilotes français? Nous vivions vraiment en équipe. Non seulement les autres pilotes français, il y avait de tout, parce que c'était l'armée de terre, mais l'origine de ces pieds noirs ou de ces gens qui nous ont rejoints après le débarquement est d'origine. Par exemple, j'ai eu pendant longtemps comme camarade Maurice de Castex, qui était en 40, qui était pilote de Watine, sergent pilote de Watine. Alors donc, nous vivions dans cette armée, cette première division française libre, depuis 40, officiers, soldats, sous-officiers, officiers à la même popote et tous ensemble. Quelles ont été vos premières missions de guerre en Piper L4 ? C'était des missions principalement de réglage d'artillerie. Bien entendu, nous faisions de l'observation aussi. Si mon observateur était derrière nous, il y en avait 4 par division, 4 observateurs, parce qu'ils étaient les patrons des 4 batteries de la division. Alors donc, ils donnaient les ordres pour rectifier les tirs à chacune de leurs batteries et aux 4 si nécessaire. Et si, bien entendu, mon observateur voyait un char ou un carrefour devant la division, il donnait les coordonnées et une minute après, c'était réglé parce qu'ils avaient une liaison très, très rapide. Et par contre, nous étions
j'étais, comme je vous ai dit, j'étais en surnombre. Comme moi j'avais déjà fait les campagnes de Syrie, de Libye et de Tunisie, je passais volontiers mon tour. Donc je ne sais pas très bien ce que j'ai fait. En août 1944, vous arrivez en Provence quelques jours après le débarquement et vous arrivez avec la première DFL. Quels sont vos souvenirs sur votre retour sur la terre de France ? Nous avons été très heureux de débarquer assez facilement. Quoique Saint-Tropez s'est bien passé, mais Toulon et Marseille a été très dur pour notre infanterie. J'étais très heureux de débarquer. Je n'ai pu aller voir mes parents qu'en novembre, parce que la circulation a été... et puis on a été pris par les avancées de la division qui ont été très rapides sur l'Alsace et la Lorraine. Et on s'est rendu compte que la résistance avait aidé notre division énormément, surtout à Marseille. Mais d'un autre côté, on s'est rendu compte aussi que l'occupation avait troublé certainement la majorité et que c'était normal que pendant un an ou deux ou trois, jusqu'à l'obligation de travail obligatoire en Allemagne, ouvre les yeux définitivement à les gens. Alors si bien que moi j'avais eu l'occasion de partir avec un petit bateau de pêche, mais je comprenais très bien que les gens ont mis 2-3 ans à se rendre compte de l'épouvantable régime hitlérien. Pouvez-vous raconter à nos vidéospectateurs quelques détails ou anecdotes de missions marquantes en Piper? Ma mémoire sur des détails est vraiment, et des différences de date, est vraiment un peu difficile. Et comme je n'ai rien noté, je ne peux pas en reprendre. Par contre, je peux vous dire une chose, c'est pendant 5 ans, de juin 40 à mai 45, c'est grâce à De Gaulle que tout s'est bien passé pour non seulement la première division française libre, mais pour l'armée française libre. Il a eu assez de courage de se laisser engueuler par Churchill et de remettre à sa place Churchill. Et je peux vous raconter par exemple une simple anecdote entre De Gaulle et Churchill. C'est quand ils ont débarqué, quand les Américains et les Anglais ont débarqué à Alger, ils ont traité avec Darlan, qui était le pétain, le traite à 100%. Eh bien, De Gaulle n'a pas été prévenu quand, 8 jours après, il a été invité par Churchill. De Gaulle lui a dit, Monsieur le Premier ministre, votre conscience ne doit pas être brillante, parce que traiter avec Darlan, c'est comme si je traitais avec Goebbels. Or, cette guerre est une guerre mondiale et morale, autant morale que mondiale. Et votre conscience doit être... Churchill lui a répondu, mon général, ma conscience est une fille que j'aime beaucoup, qui est toujours d'accord avec moi. Bon bah vous voyez, vous n'avez pas répondu précisément à la question, mais vous l'avez fait avec beaucoup de talent, puis avec beaucoup plus de profondeur et de hauteur que la question. Que la question.
Alors on va revenir à des choses un peu plus, on va dire, concrètes dans le sens de votre expérience sur le Piper Cub. Parce que je sais que vous aimez cet avion. Quelle qualité trouviez-vous au Piper Cub qui a été votre monture pendant ces années de guerre? Un an seulement, au moment où l'armée de terre a eu en fonction des Piper Cub. C'est un avion magnifique, léger, facile à conduire, qui pardonne énormément, qui pardonne au point de vue conduite énormément, et puis très très pratique. C'est tout ce que je peux vous dire. Quel a été votre parcours après la guerre et comment celle-ci l'a influencé? J'ai quitté l'armée tout de suite parce que j'avais la facilité, ayant été signé mon engagement pour la Deuxième Guerre contre l'Allemagne en juillet 40 à Londres. Dès que la guerre de l'Allemagne a été terminée, j'en ai profité pour être démobilisé tout de suite. Ils voulaient m'emmener à droite et à gauche, mais j'ai dit ça suffit comme ça. Et ensuite, alors, de parmi les pilotes et l'escadrille, il y avait de très bons amis. J'avais deux mains. Il y en a un qui m'a conseillé, m'a dit va voir tout de suite les entrepreneurs et te dégager de toute obligation militaire. En 45, ce n'était pas encore le lot de tout, de toute la France. Tu me vendras. Et c'est ce que j'ai fait. 8 jours après, j'avais un entretien et j'étais engagé dans une société de pétrole qui m'a envoyé en Extrême-Orient d'abord, ensuite en Afrique noire. Et puis ensuite, j'ai fini ma carrière en France, à Lyon. Avez-vous continué à piloter après la guerre? Oui, parce qu'en Extrême-Orient, par exemple, je suis resté longtemps au Cambodge. Et puis ensuite, en Afrique équatoriale, je suis resté un certain temps au Gabon. Et la Shell me permettait de louer un avion pour mes déplacements. Alors, je louais un petit Cessna qui était ridiculement un petit avion ordinaire vis-à-vis du Piper Cub. Et puis, à la retraite, à Poitiers, j'ai construit un ULM pendulaire et j'allais prendre des apéritifs chez les agriculteurs. Alors, nos vidéos d'interview sont destinées au public le plus large, mais l'objectif du French Wing, donc notre association, est de transmettre la mémoire de nos grands anciens comme vous aux plus jeunes. Quel message voudriez-vous leur adresser? Je vous ai dit tout à l'heure, un message important pour un jeune, c'est de savoir ce qu'il voulait faire. Parce que ça permet de, pendant ses vacances scolaires ou vacances ordinaires, il peut faire des stages. S'il veut être agriculteur, il va en agriculture. S'il veut être fleuriste, il va avoir des fleurs. Deuxième chose importante, c'est bien choisir son chef. Et si vous tombez sur un chef ordinaire, il y en a des millions, il ne faut pas hésiter de le quitter. Et troisième la chose importante, c'est la liberté. Dès que vous voyez que vous êtes coincé physiquement, moralement, vous devez quitter. Eh bien voilà, cette interview est terminée. Merci pour votre participation et on va maintenant prendre un peu de bon temps. Très bien. Je vous remercie d'avoir déposé des questions
répondable. Thomas, je suis content d'être. C'est magnifique. On s'entraînait dans un champ où il y avait le fil de fer barbelé à se poser en se faisant prendre par la rue dans le fil de fer barbelé. Hop, on était. Au lieu de se poser en 50 mètres, on se posait en 10 mètres. Mais c'est pas un atterrissage, c'est un appontage. Mais il fallait avoir l'astuce. Ah oui, oui. Mais c'était quand même une manœuvre. Mais on s'amusait, mais c'était. On a réussi. Moi, j'ai réussi une fois sur 20. Ça passait au-dessus. L'astuce, c'est. Quand ça ne m'est pas arrivé, mais c'est arrivé à mes camarades, comme si on était en gêné pour un atterrissage. Par exemple, si on se posait dans une rivière, panne d'essence ou n'importe quoi, on pouvait, à ce moment-là, au dernier moment, donner l'aile pour que l'aile s'écrase tranquillement. Mais je ne l'ai jamais fait. Mais c'est facile. On arrive à 35 km/h. Avec un peu de vent, c'est presque du surplace.